tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2022. Que cette année vous apporte tout ce que votre cœur désire en tout cas. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera un petit tuto dans lequel je vais vous montrer comment faire une demi-queue de cheval. Pour celles qui me suivent depuis le tout début, j'aimais bien faire des petits tutos coiffure sur mes cheveux, des queues de cheval et tout. Du coup, ça me manque un peu. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit tuto. Donc je vous ai montré comment j'ai fait la petite queue de cheval. Je l'ai faite sur une perruque qui me vient de la compagnie Yolissa Hair. Donc c'est une perruque de 22 pouces avec une lace 13x4. Et la tulle, c'est une HD lace. Vous allez aussi m'excuser pour le bruit. En fait, je filme avec la fenêtre ouverte et le bruit de l'extérieur entre dans la vidéo. Désolée pour ça. Comme d'habitude, je vous ai mis toutes les informations sur la perruque dans la barre d'infos. Et sans plus tarder, je vais donc vous laisser avec la suite de la vidéo. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ok, donc voici comment j'ai reçu la perruque. À l'intérieur, il y avait un bonnet, des faux silks. Et en gros, voici comment se présentait la perruque. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la tulle est vraiment très très fine. Comme je vous l'ai dit, c'est une HD lace. Et j'ai un tout petit peu customisé la lace. Donc voilà comment se présentent les boucles. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du fond de teint sur ma tulle pour la colorer. Parce que vous savez, moi je décolore pas mes nœuds, je trouve que ça sert à rien à part détruire sa tulle, enfin la fragiliser. Donc là je vais venir installer ma perruque, donc comme d'hab je viens découper les extrémités des oreilles qui dépassent. Ensuite on découpe la tulle en 3, puis je vais la découper en faisant des zigzags. Et là, je prends mon spray Go2Be et je viens couler ma tulle, tout simplement. Et là, avec l'arrière du peigne, je viens presser afin de bien couler la tulle. Et là, j'ai mis un élastique pour que ça se colle vraiment bien. Je viens prendre cette huile, donc vous l'avez déjà vu plusieurs fois, elle est trop bien. C'est une huile d'olive que je vais venir mettre sur mes magnifiques bouclettes. Franchement, les bouclettes sont trop belles. Je ne sais pas si ce sont des Natural Wave, déjà ce sont pas des... Enfin bref, je ne sais pas, mais vous allez tout voir en tout cas dans la barre d'infos. Les bouclettes sont magnifiques. Et voici ce que ça donne quand j'ai enlevé l'élastique. Là, je viens sortir les petits cheveux du coin pour faire des... favori, toujours avec une mousse coiffante, je viens la mettre sur le devant de ma lace pour bien la plaquer en brosse, parce que voilà, on va faire une demi-queue de cheval, donc le devant doit vraiment être impeccable, donc prenez le soin de bien brosser. Et on rattache encore un élastique histoire de vous permettre de sécuriser pour que quand vous allez faire votre attraper votre queue de cheval, que ça ne bouge pas. Et là, je viens prendre un peu de cheveux, donc d'une oreille à l'autre, pour la limite que j'ai pris. Voilà, prenez le soin de bien retirer ce qui dépasse, de bien brosser. On veut vraiment un truc bien plaqué et tout. Donc, prenez vraiment le soin de faire en sorte que ce soit bien. Et là, je prends mon spray Go2Be que je viens mettre vraiment pour... bien fixer les petites repousses. Une fois que c'est bon, je prends un élastique et je vais venir attacher tout ça. Il faut bien serrer vraiment. Voilà, je reprends ma mousse. C'est jamais assez, donc là je reprends ma mousse pour revenir faire un joli plaquage. Franchement, une coiffure sans mousse coiffante, c'est pas possible. Donc il vous faut vraiment une mousse. Et là, je viens enlever une petite partie des cheveux que je vais enrouler au niveau de l'élastique qui se voit. L'élastique de la queue de cheval, ça fait pas joli comme ça. Donc je vais venir enrouler
faire passer une mèche dessus comme ça pour vraiment apporter un effet plus beau, plus pro, plus tu vois ce que je veux dire. On met le spray pour que ce soit bien lisse. Ensuite, je prends des pinces et je viens sécuriser le bout qui reste toujours à l'arrière. Pour faire les choses bien. Donc j'ai mis deux pinces et en gros, voilà la petite queue du cheval. Ensuite, là, je vais venir humidifier les mèches pour bien définir les boucles. Et regardez-moi comment elles sont magnifiques, mais vraiment, waouh quoi, j'aime trop. Et pour du 22 pouces, je trouve que c'est assez long. Pour toutes celles qui veulent vous acheter une perruque bouclée de qualité, une laisse HD, je vous conseille vraiment d'aller voir le lien dans la barre d'infos. C'est vraiment... Waouh, les mèches sont magnifiques. Là, je viens découper les petits cheveux du bout. Je mets de la mousse coiffante pour définir les petites bouclettes du coin. Là, on va venir mettre un peu de poudre histoire d'éviter la démarcation entre la tulle et mon front. Quand j'ai attaché le bandeau. On refait... une petite beauté et voilà, bisous.